Amitié à vous tous, chers abonnés. Que notre Seigneur Jésus-Christ puisse veiller sur nous et nous bénir abondamment. Que par la puissance de son nom, nous soyons encouragés, soutenus et comblés de ses bienfaits quotidiennement. Je prie pour que chacun de nous, dans notre course individuelle avec Dieu, puissions rencontrer et apprécier l'immensité de l'amour divin. Que nous puissions comprendre comment le Seigneur agit en nous par son Esprit Saint et entrevoir toute l'œuvre qu'il met en place autour de nous à travers les anges célestes. Qu'il puisse nous guider et ouvrir notre entendement dans le plan qu'il a choisi pour chacun de nous. Merci à tous pour votre écoute et vos encouragements. Que Dieu, Père et Fils, puisse nous aider à grandir et faire de nous des semeurs infatigables, car nous voyons comment les choses accélèrent. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, et qu'il ne nous abandonnera pas. Restons sur ce bateau dont Jésus est à la barre. La tempête autour de nous ne nous atteindra pas. C'est auprès de Dieu que nous trouvons notre salut. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Servez l'Éternel avec crainte. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Ma prière est que nous fassions de ce chant qui suit notre prière et notre engagement personnel avec Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Soyons certains que très très bientôt, nous le verrons face à face. Théophila, ami de Dieu, je témoigne, continue. Et je vous dis à très bientôt si Dieu veut. Yeah.